Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, Jésus Vidéo. Alors ça n'a rien à voir avec la religion, hein. C'est plutôt un livre d'aventure dans le style de Da Vinci Code. Voilà, moi j'ai trouvé ce livre génial. C'est un vrai livre d'aventure. Je vous raconte un petit peu le début. C'est l'histoire d'un jeune archéologue qui est dans la périphérie de Jérusalem et qui est en train d'excaver les ossements d'un corps. Et puis est retrouvé avec donc la dépouille du défunt, donc qui remonte à l'époque du Christ, quoi. Et retrouvé donc avec les ossements le manuel d'une caméra vidéo de notre époque, quoi. Et là évidemment ça commence, c'est très bizarre parce qu'on se dit mais c'est marrant parce que en plus ce manuel date de dans 3 ans dans le futur, quoi. C'est-à-dire que on se dit mais attends, on a retrouvé dans une tombe qui date de 2000 ans en arrière le mode d'emploi d'une caméra qui sortira dans 3 ans. Qu'est-ce que c'est? Alors, tout de suite, évidemment, les théories qui reviennent sont celles, soit du canular, soit du voyageur dans le temps. Et très vite, on s'aperçoit que le lieu des fouilles va être sous haute surveillance. Il y a des gens du gouvernement, du Vatican aussi, qui vont chercher à obtenir des informations, etc. Et puis ça devient très vite comme une sorte de thriller, parce que les jeunes archéologues vont se retrouver poursuivis parce que eux détiennent des infos en fait, et petit à petit remontent la piste de la vérité au final. Et ils se rendent compte que c'est une vérité qui dérange et qui, voilà, ils vont se retrouver avec des ennemis très puissants qui sont à leur trousse. Et donc c'est vraiment passionnant. Alors on apprend mais tout un tas de choses, il y a vraiment un univers très complexe et très intéressant. Et donc voilà, un vrai livre d'aventure. Moi je vous le recommande vraiment, j'ai adoré, c'est un des meilleurs bouquins dans le style aventure. Et il y a un petit peu de fantastique aussi, hein, parce qu'on parle quand même de voyage dans le temps. Mais voilà, je recommande vraiment, dans la lignée des Da Vinci Code. Et pour ceux qui ont aimé les films, ça fait un tout petit peu Indiana Jones par moment. Je recommande vraiment si vous aimez ce genre de bouquins. En plus, il y a une belle philosophie, je trouve, et on apprend pas mal de choses aussi sur l'histoire des religions et des sites touristiques comme Jérusalem, etc. Donc moi qui ne connaissais pas du tout, j'ai aussi pu découvrir des choses. Donc voilà, je vous recommande et vous dis donc Jésus Vidéo de Andreas Henschbach. Voilà. C'est un auteur allemand, c'est traduit en français, c'est très bien. Je vous recommande. À très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.